Bon, well, Louis et Berthe, ils ont trouvé beaucoup de champignons. Et pas mon appareil. Ah, mais moi, je... on a réussi. Moi, je connais pas tellement le coin. J'estime que j'en ai trouvé, là. Hein. Here we have ceps et les oranges. Tu vois la volve? La volve? Oui. C'est ça, la volve. Ah oui, oui. Tu comprends? Oui. Et on cuisine de la même façon, les ceps et les oranges? Oh, à peu près, oui. Oui, oui. Mmh. Tu as trouvé beaucoup quand même. Hein? Oh, ben, c'est pas mal, oui. Oui, oui. C'est pas mal. Et les ceps, ils sortent dans n'importe quelle saison ou... Oui, oui et non. Non. C'est difficile. Oui, oui. C'est difficile à dire. Ça, c'est que des vieux, tu vois. Ça, c'est presque trop vieux. Oui. C'est vieux. Oui. Mais le cep, plus il est vieux, plus il a du goût. Oui. Ah bon? Oui. C'est les petits n'ont pas le même goût. Non. La trompette de la mort, en vieillissant, elle n'a plus de goût. Le cep, en vieillissant, a davantage de goût. Ah bon? Oui. Attends. C'est super. Attends. Ton arrangement, c'est super. Voilà. Il faut un peu de fougère. Hein. OK. Pour faire une jolie photo. C'est super. Voilà. Super. Et les cèpes, ils puissent dans n'importe quelle forêt. Il faut les châtaignes, les chênes. Châtaignier, chêne, le hêtre, le bouleau, après le cèpe de sapin, le cèpe de pin. Mais le cèpe de pin, il est différent. Il est tout gluant. Et il ne ressemble pas. Tandis que le cèpe de sapin, il est presque blanc, mais il ressemble à ça. Oui. Tu vois? Oui. Le bouleau.